Salut à toutes, salut à tous, c'est Hero422 et on se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode de notre Play 12 sur Mario LG et Dream Team Bros. Alors on était arrêté, c'est ça, Evolis, dans le monde onirique. Des pièces, ouais. Ah! Ok, donc là va falloir souffler, enfin éternuer plutôt. Youps. Ah cool, des pièces d'attaque. Intéressant, donc là, une nouvelle attaque est possible. Ça, ça m'intéresse. Et là, il y en a une. Ah, et ben voilà. Et hop là, une autre pièce d'attaque. Encore deux. Encore huit. Je veux dire, j'en ai obtenu deux, il m'en manque huit. On va aller en haut. Ah bah, il y en a une. Je m'en doutais. Hop là. Peut-être qu'il y a une autre pièce d'attaque en haut. On va vérifier ça de suite. Oh! Bouge pas, bouge pas, bouge pas! Initiative. Un poids sac doré. Ok. Là, cette fois, faut pas se louper. D'accord, ça commence très fort. J'ai fait un solo magique. Non! Non, putain, il s'enfuit. Flûte. Tiens, un nouvel ennemi. Et là, on va faire... Eh ben, on va re-essayer le marteau Wii Magic. Ah, il y a plein de nouveaux ennemis, là. Aïe! Je prends cher. Ok, alors attends. Quelque chose magique. Marteau, hein, on va re-essayer. Allez. J'y arrive pas. J'ai complètement loupé. J'ai réussi mais pas vraiment. D'accord. Il avale les ennemis lui. Ok, c'est bon à savoir. Ok, je suis déjà en critique. Bon, on va dire que je l'ai fait, utiliser solo Wii Magic, et ben on va le faire. Ah là là.
donc eux ils se protègent. Je peux pas les viser. Ok. Ouais, saut. Ah cool, Luigi, hop. Et on va tenter le défi de faire plus 5. Attention. Yes! Défi réussi. Plus 5. Yes, ça c'est bon ça. Bon, j'ai raté le poids sac, mais au moins j'ai réussi ça. On va dire ça compense. Je sais même pas où il est. Aïe. Génial. Hop, il est temps de se restaurer. Et de faire un solo Magic à nouveau. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Je bide là. Bon, ça va. Je vais avoir un super. Aïe, aïe, aïe. Ça va. 300 XP. Je vais me soigner aussi, tant qu'à faire. Voilà. Ah, cool. Et une autre pièce d'attaque. Une. Encore 6. Ah zut! Attends, il n'a pas d'initiative. Bon, lui, je sais. Non, moi je savais pas. Solo Magic. On va faire sur ça. Yeah. Ça va, je vais en louper quelques-uns. Mm-hmm.
Par là. Attends. Il fallait aller aussi à gauche. Donc on va aller à gauche en fait. Vu que je veux récupérer toutes les pièces d'attaque. Merde, il faut que je refasse. Ah non? Ah si, oui, il est là. Parce que là, ça m'intéresse de récupérer la pièce d'attaque. Je retournerai à droite après. Merde, j'ai pas eu le temps de voir. Quoique la balle Wii Magic. Oh bah si, ça a touché tout le monde comme ça. Voilà, c'est déjà plus efficace. Oh putain, il est là! Bouge pas! Ah putain, j'ai pas l'initiative. Deuxième chance. Ah putain, il était là, merde. Il va se casser. Non. Pas encore. De toute façon, là, il va partir. Voilà. Ah. Je suis trop lent. Et j'ai rien du mal. Attends, wait. Je vais me reprendre un peu de sirop. Voilà. Initiative. Aïe. C'est le plus efficace. Ah cool. Allez, encore 5. Parfait. Bon, je vais faire une petite pause et je vais revenir tout à droite. Comme ça, vous n'aurez pas à subir l'autre pièce à nouveau. Donc, je vous retrouve tout de suite après. Allez, c'est reparti. D'accord, il y a plusieurs trucs. Oui, pardon. Ah ah. Après tu peux aller par là. Ah ouais. D'accord.
Encore 4. Et on va les avoir. On va retourner quand même à gauche parce que je pense qu'il y a quelque chose. Hey, bingo. Voilà. Et voilà, il y avait une pièce d'attaque. Encore 3. On va les avoir, on va les avoir. Il est temps de savoir ce qu'est la nouvelle attaque. D'accord, donc là il y a plusieurs plateformes. Ah, je sais, ça va ouvrir le parasol. Ah non, j'ai cru, j'ai rien dit. Ah voilà. Allez, plus que 2. Je crois que j'en ai loupé aucune. Ouais. Il n'y avait rien. Dégage. Aïe. Merde, non, c'est pas le moment. Aïe. Réveille. Réveille. Non. Ok, vengeance. Ah non, même pas. J'ai plus du tout l'habitude, c'est incroyable. Oh là là, oh là là, oh là là, je me fais massacrer. Ok. Ok. Premier game over, bon. Aïe, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon bah tant pis, hein. Il y a un début à tout. J'ai plus du tout l'habitude de jouer. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas rejoué. Ça se voit. Oh la vache. Oui, merci, on s'en fout du bloc astuce. J'en ai pas besoin. On a eu la plupart, ça va. Ça dégage. Je
Je sais, c'est la honte d'avoir un game over sur un combat, mais bon. Ça, c'est les choses qui arrivent. Hein. 600 XP quand même. Ça tombe bien. Ah, je hais ces bestioles. Pareil. Plus qu'une. Allez, encore une. Et c'est fait. Non, j'ai pas l'initiative. Ok, je croyais. Non, j'ai pas eu le temps de voir. De rien, je me fais vraiment pas mal de XP. Non. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, oui, j'ai compris. C'est pareil. Attends, comment il faut faire déjà? Je sais même plus. Non. Voilà. Non, trop vite. Non. Ah. Damn it. Voilà. Non. Ça se trouve, il y a une pièce de puzzle, ça m'intéresse. Enfin, une pièce d'attaque. Non. 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 Presque. Non. Mais. Ça joue à rien. Non. Trop vite. Non.
Voilà. Il m'en manque plus qu'une. Oula. Trop loin. Non. Voilà. Non. Hop. Encore. Stop. Ouais. Alors, à gauche ou à droite? On va prendre celui-là. Il va être en haut, ah non, en bas. À droite en fait. À gauche. Ah! Bon bah je prends hein. Oh là là. Oh, je vais éviter de refaire encore la balle Wii Magic. On va faire juste un saut. Ça s'en va. Ok. Là, il y a des blocs. Là, il y a un ennemi. Il y a des ennemis. Ah merde. Bon. Aïe, aïe, aïe. Ouch. Je hais leur attaque. Et ben. Ok, des champis, génial. Je vais aller vérifier ce qu'il y a après. De l'autre côté. De l'autre côté du tuyau. Putain, il y en a plein là. Là, on l'a géré. Là, je suis obligé de faire une balle Wii Magic.
Ça dégage. Regardez, vous voyez, j'ai bien fait d'être revenu. Parce qu'en effet, il y avait la dernière pièce d'attaque qui nous manquait. Alors c'est quoi? Le mur Luigi. Poussez le pas circulaire vers la droite ou la gauche pour vous déplacer sur le bouton 1 pour frapper au Luigi. Ok. Bon, j'essaierai ça tranquille, hors caméra. Et je montrerai l'attaque, je pense, pour le prochain épisode. Là, on va encore continuer un tout petit peu. Et on s'arrêtera là pour ce 30e épisode. J'ai bien envie de terminer cette zone. Et après, elle deviendra que pour un. Ah. Un parasol ouvert. Ouais, d'accord, donc il faut tous les ouvrir. Ah zut! D'accord. Ok, donc je vois ce qu'il faut faire. Pas encore. Maintenant. Et de deux. Je peux pas. Non. Bon. Alors attends. Plus qu'un. Et après, on s'y éternue. Oups. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Et merde. Voilà, et là, écarte-toi. Voilà, juste, voilà, c'est bon, et de 4. Mm-hmm.
Ouh, je sais pas pourquoi, mais ça sent le boss. On va sauvegarder. Si jamais il y a un boss, allez, je vais le faire. On verra bien. Je pensais, il y a un coussinos à l'intérieur. Je suis tout émoustillé, tellement que je me mets à parler à moi-même. Quand je vois ça, ça me donne le sourire. Ouais, c'est un boss définitivement. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Messieurs les gentlemen moustachu, vous voulez observer le fragment de cauchemar? Je viens moi aussi tous les jours. Est-ce votre première fois, gentlemen? Très bien. En tant que fan inconditionnel et coussinos, je devrais prendre la responsabilité et c'est maintenant mon devoir, messieurs, de vous renseigner sur le fragment de cauchemar. Dans ce cas, laissez-moi vous éclairer. Un fragment de cauchemar, vous voyez... À l'intérieur, un membre des coussinos est prisonnier endormi. Que cela reste entre vous et moi, le coussinos enfermé dans ce fragment de cauchemar, eh bien les rumeurs qui courent disent que c'est un coussinos comme aucun autre. En d'autres termes, il est exceptionnellement, extraordinairement, extrêmement rare. C'est du moins ce que disent chez les aficionados enthousiastes. Vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Comment peut-on récupérer le fragment de cauchemar, vous dites? En voilà une question effrontée provenant d'un non-initié. Eh bien, en fait, j'en sais rien. Ah non. Apparemment, si l'on frappe sur ces blocs, on devrait pouvoir récupérer le fragment de cauchemar. Mais cela entraînerait aussi la libération d'un monstre terrible et gigantesque. On raconte que nombreux sont ceux qui ont essayé de toucher le fragment, mais la punition infligée par le gardien fut horrible et sévère. Maintenant, les braves se font rares et il n'y a plus personne qui oserait même essayer. À vrai dire, même un fan inconditionnel comme moi est satisfait de seulement l'admirer. En tout cas, je dois vous laisser réfléchir à mon prochain article pour le magazine Coussinos. Je vous laisse. Ça va être un boss géant, j'ai l'impression. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode, parce que là, il aura duré quand même bien longtemps. Je vais sauvegarder. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Désolé du premier game over, ça arrive. Là, j'étais complètement à côté de la plaque là, mais bon. Au moins j'ai avancé, c'est le principal. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur la chaîne KCG. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.